Elle, c'est Najomi, fondatrice de Nageco, une agence créative de branding et création web. Avec son équipe, elle illustre l'expertise de ses clients. Lui, c'est Maxime, cofondateur de Satellite WP, un service d'expert dédié à WordPress, la plateforme la plus utilisée de ma automatisation, sécurité et performance web. On aime nos entreprises, on aime les défis et on veut progresser. Si toi aussi tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, t'es au bon endroit. C'est pour cette raison qu'on a lancé Aucun hasard. Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Avant de débuter l'épisode, Najomi, et de te souhaiter un bon matin, il paraît que tu aimerais dire quelque chose au lieu de nos commandites en gras et en jaune. Oui, je viens d'écrire ça dans le document. Je voulais te le dire avant, mais j'ai comme manqué de temps. Je voulais dire merci à tous ceux qui nous écoutent parce que cette semaine, ça a été une semaine vraiment difficile. J'ai vraiment de la misère à me sentir impuissante comme je me sens avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le racisme, avec les crimes, les meurtres et le racisme contre les Asiatiques en ce moment particulièrement. Puis, ça me motive pas tout le temps de faire le podcast. Ça me tente pas tout le temps. Puis c'est vraiment en pensant aux gens qui nous écoutent, puis que des fois, on reçoit des messages ou je reçois des mots qui confirment pourquoi on fait le podcast. Et ça me touche vraiment. Fait que je voulais le mentionner puis vous dire merci à ceux qui nous écoutent. Ça me touche plus que vous savez. Puis c'est ça qui fait en sorte que je suis game de faire un épisode ce matin parce que c'est les matins là, cette semaine, ça me tente pas de faire grand-chose. Fait que merci beaucoup. Oui, puis merci aussi à ceux qui ont participé à notre épisode de la semaine dernière, ceux qui nous ont envoyé des questions auxquelles on a pu donner des réponses. Continuez de nous écrire, ça nous fait plaisir de communiquer, d'échanger avec vous. Puis on vous dédie cet épisode de ce matin. Donc, on a décidé de parler ce matin de comment créer un contrat pour nos projets. L'aspect contrat, c'est pas quelque chose qui est de manière générale ultra intéressant. Je connais pas vraiment d'entrepreneurs qui se disent « Hey, yes, on va parler de contrat, on va faire des contrats. » Puis moi, j'étais de ceux-là quand j'ai commencé. Pour moi, un contrat, c'était pas... C'était un mal nécessaire qu'on faisait sur le coin d'une table sans trop... Je sais pas trop. Ça m'intéressait pas vraiment. Je me dis, quand on parle d'un projet puis que c'est clair, pourquoi faire un contrat? On est de bonne foi. Puis... Fait que je me demandais, est-ce que je suis seul dans cette situation? Ou si toi, quand tu as commencé, aussi c'était ma parole, ta parole, puis on s'entend verbalement, puis à la bonne franquette, ça la va comme je te pousse. Ben oui, quand que j'ai commencé, c'était ça aussi. Peut-être des contrats courriels, peut-être de se dire « OK, ben on se confirme ça par écrit », puis ça, c'était vraiment après quelques temps là, de faire de la pige, mettons. Parce qu'effectivement, c'est pas la première chose auquel que je pensais. Je sais pas si vous entendez, mais les enfants viennent de remonter, fait que là, ça vient de me déconcentrer, là. Ils ont dû oublier quelque chose, puis là, je les entends. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, je faisais pas de contrat au début. Je me disais que c'était pas nécessaire. Puis en fait, je sais même pas si j'y pensais au début, tu sais. Je pensais bien plus à « OK, tu veux ça, tu me payes tant, deal. » Tu sais, that's it. Mm-hmm. Fait que, mais je pense que ça vient un peu. En tout cas, moi, de la façon que je le vois, là, c'est comme si quand j'étais plus jeune, les contrats que j'ai signés, c'est pas moi qui les avais écrits. Puis, c'est souvent des contrats super longs. Tu sais, les fameux contrats que tu lis pas, là, tu sais, comme les contrats d'hypothèque ou ce genre d'affaires-là que tu sais, comme, tu sais, même que j'essaye, puis ça a été démontré là, dans les dernières années que de la façon que ces contrats-là sont faits, même une personne normale ne serait pas en mesure de les comprendre. Puis, j'ai un ami qui est avocat qui, lui, évidemment, lit tous les contrats. Puis, quand il allait signer son hypothèque, ça faisait référence. C'est un document printé là, d'une grande institution financière. Puis, ça faisait référence, mettons, à la clause 9.7. Puis, il dit, ben la clause 9.7 n'est pas dans le contrat. Fait que j'aimerais savoir à quoi ça fait référence. Puis, évidemment,
je pense qu'il était le premier à lire le contrat parce que la dame qui faisait ou le gars qui faisait signer le contrat avait aucune idée de c'était quoi la clause 9.7. Il savait pas trop quoi répondre. Puis il avait soulevé comme plusieurs questions comme ça. Puis j'étais comme, oh my God, il y a vraiment personne qui lit ça, là. Vraiment personne. Ouais, ben moi, quand, mais plus jeune, là, ma mère me disait tout le temps, lis tes contrats, n'importe quoi que tu signes, tu vas à la banque, tu lis tout. Puis je lisais, mettons. Puis là, je devenais gênée d'être en train de lire le contrat devant la personne qui attend que je signe. C'est niaiseux, hein? Mais moi, je vois plein de monde comme ça. Moi, là, sérieusement, là, des fois, je vais faire signer des choses à Marie-Lou, là. Puis je le vois, là, que, tu sais, mettons, entre le moment que j'ai donné la feuille puis qu'elle a signé, c'est sûr qu'elle peut pas avoir tout lu. Puis là, j'ai dit, mettons, ah, et voilà, maintenant, ta vie m'appartient. Puis je dis ça, des fois, à plein de monde, là, que, tu sais, mettons, tu vas faire signer une décharge, tu vas faire du go-kart, puis que, tu sais, le monde, il lise rien, il signe n'importe quoi. Puis c'est fou, là, la face du monde, quand, mettons, je fais cette joke-là, là, c'est comme s'il réalise que, oh my God, je l'ai pas lu. Mais en effet, là, quand tu lis pas, ça peut te mettre dans des positions vraiment fâcheuses. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, en début de carrière, j'étais comme ce genre de personne-là qui signait des décharges de go-kart sans les lire, puis des petites affaires qui étaient peut-être sans trop de conséquences. Fait que quand j'ai commencé à être à mon compte, puis à devoir faire des contrats, ben c'est comme si j'appliquais cette logique-là à mes projets. Comme je les lisais pas quand j'étais comme client, ben en étant à mon compte, faire des contrats puis s'appliquer à mettre des clauses précises, ça me semblait pas important. Ouais. J'ai retrouvé mon premier contrat. Oh. Fait avec une firme. Puis regarde, je vais te le montrer. Là, tu pourras pas le lire. Là. Mais regarde. Ah, on le voit dans le live, là, mais pour ceux regarde qui à quoi. Après. Ah, tu vois-tu? Ça, c'était mon premier contrat. Mais ça a l'air d'une facture. C'est exactement ça, Najumi. C'est exactement ça. Et mais attends, Max, là. Attends, là. Attends, deux secondes. Mais là, plus jeune, là, tu lisais pas les contrats. Ça m'étonne tellement, là. Ben, en fait, je te dirais, mettons, je lis... comment je dirais bien? Tu sais, mettons, je n'étais pas le genre à prendre le document puis à zéro lire. Mais j'ai déjà senti le genre de pression que tu dis. Mettons en allant faire du rafting, à faire comme ouais, Kim, t'assignes-tu la feuille? Puis je suis comme non, mais je peux-tu comme. Hey, moi, je lisais toutes, là. C'est weird. Mais. Moi, je lisais toutes. J'aurais deviné, mettons, là, quelqu'un nous avait demandé, ou quelqu'un qui demanderait à n'importe qui d'autre, entre Nage puis Max, c'est qui lit les contrats? Ouais. C'est Max, c'est sûr. Ben, je vais te dire, mettons. C'est probablement un entre-deux, là. Tu sais, tu lisais en diagonale. Ouais. Tu sais, il y avait une partie que je lisais, une partie que je laissais passer. Mais tu sais, j'étais un peu influencé par. Ouais. Comme tu dis, là, tu sais, la personne qui est de même et qui te regarde, là, en disant comme. Ouais, tu vas-tu vraiment lire? Tu n'es pas censé lire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ouais, n'importe t'as quoi. Tu as comme une pression à ne pas le lire. Ou genre, ils te le disent. OK, tu sais, c'est un contrat, ça va dire que telle affaire, puis c'est ça, ouais, tu peux signer en bas. Ouais. Non, tout est couvert, puis inquiète-toi pas. Là, t'es comme. Puis après ça, quand tu reviens, tu es comme non, mais parce que tu m'avais dit tout était couvert, donc c'est pas ça que le contrat dit. Comme genre, hein? Ouais. Fait que bref. Fait que ça, c'est ce que j'ai montré, la feuille là, que tu dis qui ressemble à une facture, mais qui est clairement ça. C'était mon premier contrat que j'ai fait pour un mandat tellement trop gros pour, un, le prix que j'ai chargé, avec des... Tu sais, je vais te dire, mettons, là, il y a une partie qui s'appelle programmation du projet, puis je vais te définir ce que tout ça comprend. Donc, mon projet, ça comprend la gestion des usagers. En fait, c'était un logiciel qui permettait à une entreprise de gérer ses projets à l'interne dans le but de créer des devis puis des factures. Fait que c'était comme un logiciel de facturation, de gestion de devis, de projets puis de tout ça. Donc, dans la partie programmation, gestion des usagers, gestion des projets, statistiques, c'est tout. Et voilà. Donc, on peut-tu s'entendre que dans ces trois lignes-là, il y a pas mal place à interprétation. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mettons, là, à part gérer les usagers. Puis c'est quoi gérer les usagers? I don't know. Et ça se termine en bas avec toutes les corrections nécessaires suite à un défaut de programmation sont incluses dans le prix. La qualité du produit est garantie à 100%. Et oui, j'ai déjà écrit ça. Et tu sais, c'est pas comme en 1990, c'était en 2007, je crois. J'ai pas le... En plus, il n'y a pas la date là-dessus. C'est magique. Je sortais à peine du secondaire. Fait que ça a été mon premier contrat. Puis tu sais, c'était quand même
5 500$. Fait que, tu sais, mettons, imagine, là, il y a comme une couple d'années, là, c'est... Ah, mais c'est bon! C'est pas 200$, là. C'est pas 200$, mais ça aurait dû être probablement entre 30 et 50 000, cette affaire-là. Mais... Ah, ouais. Ouais. Puis ça, ce projet-là, je l'avais commencé. Puis après ça, je me suis trouvé une job, ma première vraie job. Puis j'ai été obligé, à un moment donné, parce que ça avançait pas assez vite, parce que le travail était, je disais, était astronomique, là, dans ce projet-là. Tu sais, imagine, là, c'est... coder un genre de Asana ou un teamwork plus petit, on s'entend, mais quand même. Et ma première semaine de vacances à vie, dans ma première vraie job, je l'ai prise pour finir ce Christy de projet-là. Puis tu l'as fini? Ouais, je l'ai fini et il n'a jamais été... En fait, il a été mis en production pendant, je pense, une semaine pour finalement que le client me dise « Ah, mais non, mais ça répond pas à ci, ça répond pas à ça, ça répond pas à ci, ça répond pas à ça. » Puis il n'a jamais été utilisé, puis j'en ai plus jamais entendu parler. Parce que ça répondait à ce qu'il m'avait demandé, mais ce qu'il m'avait demandé, c'est pas ce qu'il avait besoin. Fait que tout ça pour ça. Fait que, belle leçon. Ben, honnêtement, ça a été quand même. Non, ça a été une belle leçon de un, mettons. Tu sais, là, on sort un peu du contrat, mais je ne chargeais pas assez cher. Il n'y avait aucune clause là-dedans que je pouvais renforcer parce que gestion de projet, je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Puis il y avait comme plein de complexités dans la façon de faire, puis en plus, c'était quelqu'un que je connaissais. Fait que ça a mis un froid sur cette relation-là pendant un bon moment. Parce qu'après ça, j'étais comme, ben dis-moi, comme c'est quoi les problèmes, puis on va regarder. Mais tu m'as, tout ce que tu me sors là, tu m'en as jamais parlé. Je ne sais pas comment je pouvais le deviner. Puis là, c'est un peu la raison de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que le fameux, mais tu m'en as jamais parlé. Mais lui, c'était clair dans sa tête. Mais là, c'est pas écrit nulle part. Puis en fait, il n'y a comme pas vraiment de contrat. C'est plus une facture, un contrat, cette affaire-là. Puis, fait que, c'est tout ça mis ensemble avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, puis le document que j'ai aujourd'hui, que je me dis, OK, si ça peut éveiller ne serait-ce qu'une seule personne sur l'importance d'avoir un contrat, de le faire comme il faut, puis de le suivre, ben, je pense que ça peut faire une différence pour la suite. Ouais, puis il y a eu une conversation, je pense, sur LinkedIn par rapport au contrat, là, que. J'ai vu passer, là, justement, c'était-tu par rapport au contrat? Tu avais parlé de ton contrat avant la mise en ligne? Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Je cherche dans ma mémoire, mais je ne sais pas à quoi tu fais référence. Oui, parce qu'il y avait quelque chose par rapport à... Je pense que c'était une question... Non, c'était dans un groupe Facebook. C'était une question sur du pricing, puis ça a fini que tu répondais à des affaires de contrat. Ouais. Ben regarde, je pourrais y revenir sur comme le pourquoi du comment on est arrivé là. Mais avant, je pense que ça serait une bonne idée de définir vraiment c'est quoi un contrat. Parce que tout le monde prend pour acquis que c'est quelque chose de précis dans leur tête, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on a dans notre tête, c'est ce que la loi dit. Donc, ça va comme suit. Le contrat se crée quand deux personnes ou plus s'engagent à faire quelque chose l'une pour l'autre. C'est tout. C'est ça un contrat. Il n'y a pas une affaire de date? C'est ça, un contrat. Un contrat, ça s'arrête là. C'est quand on s'entend sur quelque chose. C'est ça. Fait qu'une entente verbale, ça peut être un contrat. Un document écrit, ça peut être un contrat. Et j'ai même un exemple que je vais vous lire ici pour vous montrer à quel point ça peut aller loin. Puis c'est pas, tu sais, des fois, c'est comme j'ai rien signé. C'est comme, mais ça n'a pas rapport de signer ou de pas signer. Donc, juste l'entente, c'est suffisant. Donc, par exemple, Nina téléphone à Youssef qui offre son divan à vendre sur un site de petites annonces en ligne. Elle lui dit qu'elle est prête à payer 150$ et qu'elle ira chercher le divan demain. Youssef accepte. Un contrat est formé entre Nina et Youssef par ce simple échange. Ils doivent chacun respecter ce contrat. Donc, exemple tiré du site Éducalois. Donc, ça, on voit, là, c'est juste, mettons, « Hey, 150$, c'est-tu correct? » »« Oui, c'est correct. OK, bye. » Et voilà, on a un contrat. La distinction à faire ici, c'est évidemment, si le contrat n'est pas respecté, ben, le fait de ne pas l'avoir mis par écrit fait en sorte que c'est plus difficile à prouver, mais ça ne vient pas invalider le fait qu'il y a eu un contrat entre les deux personnes. Donc, je pense que, mettons, la base de tout ça, c'est de se poser la question, OK, mais pourquoi je ferais un contrat? Puis quand on y va de cette façon-là, plutôt que de dire ça prend un contrat sans vraiment comprendre le pourquoi, ben, je pense que ça vient... Je trouve que ça permet de mettre une certaine base, puis après ça, de faire évoluer cette base-là selon notre situation. Parce qu'on s'entend que, tu sais, si tu as, mettons, tu as une crèmerie,
ben là, faire commencer à signer des contrats pour dire que ben, la crème glacée sera dans tel état et que tu sais, comme, ouais, peut-être que là, c'est peut-être un peu overkill de faire signer un contrat à chaque personne qui vient acheter un cornet. Par contre, si tu vends un branding de 25 000 $ ce serait peut-être le fun que ça soit balisé, puis que ça soit clair, puis qu'on prenne le temps, étant donné le montant qui est en jeu, pour éviter des problèmes et s'assurer qu'on se comprend bien. Donc, le pourquoi, moi, je vois deux choses. Un, se protéger. Et deux, protéger l'autre. Fait que je ne sais pas, toi, si as-tu un angle différent du pourquoi tu fais un contrat? Oui, bien, c'est sûr que la protection de l'un et l'autre, c'était vraiment important. Puis c'est à force de voir justement des ententes qui étaient soit non respectées ou, mettons, moi, dans mon cas, je pense aussi la clarté. Fait que j'ai l'impression que le contrat aidait beaucoup à clarifier c'était quoi vraiment les attentes des deux côtés. OK, ben justement, comme tu disais, les de vraiment, tu sais, tout savoir qu'est-ce que le client veut. Qu'il n'y ait pas de non-dit, que ce soit sur le contrat, sur l'entente. Si c'est pas écrit, ben non, c'est pas inclus, tu sais. Fait que je pense que oui, la protection, puis aussi en même temps, j'ai l'impression que c'est un outil qui sert à clarifier avant de commencer quoi que ce soit. Ouais, ben tu sais, moi, souvent, là, je le vois un peu comme un mélange de, tu sais, le contrat, le fait d'accepter, là, l'espèce de document légal qui est un mix avec la proposition de service. Donc, nous, de notre côté, c'est vraiment très, très intimement lié. Fait que c'est à la fois ce qu'on propose, ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas. Puis, en effet, là, nous autres, tu sais, la page d'acceptation, si on veut, de tout contrat ou de proposition de service, peu importe comment on l'appelle, se termine en disant « Tout ce qui doit être fait est écrit dans le présent document. Si c'est pas écrit, c'est pas inclus. » Puis ça part du fait que, tu sais, il y a des industries pour lesquelles c'est plus clair. Tu sais, mettons, si je te dis, je sais pas, moi, je vais te donner un cornet de crème glacée, tu sais à quoi t'attendre. Si tu dis, je vais te donner un site web, est-ce que, mettons, OK, quand tu vas me donner le site web, si tu vas me le donner, comment? Qu'est-ce qui va être inclus? Les images sont-tu incluses? Les retouches d'images sont-tu incluses? Ça va fonctionner sur quel navigateur? Sur quel système d'exploitation? Bref, il y a 1 million de petits paramètres qui sont, je vais dire, de manière générale, clairs pour les gens qui sont dans cette industrie-là, mais pour l'entreprise qui fait clairement pas ça dans la vie, ben ça peut être facile de penser que, OK, ben moi, je pensais, comme j'ai dit, un site bilingue, ben, que tu allais traduire, puis c'est comme non. Ah, que tu allais créer les textes, non. Ou oui, tout dépendamment de ce qu'on s'est entendu. Fait que la partie clarté, pour moi, elle est super importante dans le contrat. Tu sais, trop longtemps, en fait, j'ai vu le contrat comme une espèce de document légal que personne ne comprend. T'sais, pour moi, à la base, c'est ça un contrat. Là. C'est comme plein de mots là, que ça prend des non-obstants. Puis des mots comme ça que le monde ne sait pas trop qu'est-ce que ça apporte dans la phrase. Puis nous, on a décidé à un moment donné de shifter ça puis d'y aller plus comme Anne. De le faire nous-mêmes puis de le faire réviser. Puis ça a fait en sorte que ça a permis de simplifier le document, puis de s'entendre sur des termes clairs que tout le monde peut comprendre dans le but d'éviter les problèmes. Bien, la phrase que tu as dit, ce que tu as dit de si ce n'est pas dans le contrat, genre on le fait pas, je vais rajouter ça. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où que, même que je vais me sentir quasiment dans l'obligation de le faire parce que justement, ben, le client ne pouvait pas savoir qu'on n'allait pas le faire. T'sais, fait que je vais aider, t'sais, je vais le faire. C'était à moi de le savoir puis de leur mentionner. T'sais, fait que il y a bien des cas de même que je ressens de la culpabilité de ne pas l'avoir clarifié avant. Fait que je pense que de rajouter cette note-là, ben, ça me donne au moins la latitude que si je veux les aider puis que je veux encore faire du bénévolat, ben, je peux le faire. Mais sinon, ben, je suis backé. Oui, ben, tu sais. On s'entend, là. Moi, je suis parti de, je reprends mon premier contrat, là. Je suis parti de tout ça, là. C'est ça, ma première affaire, là. Ça, c'est mon premier contrat avec rien dedans. Puis aujourd'hui, tout dépendamment du projet, là, ça peut être une dizaine de pages, là, une quinzaine, tout dépendamment de jusqu'où on veut aller au niveau des spécifications. Mais tout ça, c'est évolutif, tu sais. Je pense que, si tu pars avec un courriel, à la limite, qui définit qu'est-ce que tu fais, puis la fois suivante, tu reprends ce courriel-là, puis à un moment donné, là, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu comme intense d'avoir ça dans un courriel, puis là, tu mets ça dans un document Word, puis
Puis là, aujourd'hui, on est rendu avec un logiciel qui gère ça avec la signature électronique parce qu'on en fait plus. Puis on l'a bonifié de plein d'autres choses. Mais tu sais, à la base, tu sais, ce que je fais aujourd'hui est le résultat de toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé et le résultat de tous les contrats que j'ai signés et que j'ai lus, où j'ai vu des clauses que je me disais ceci est intéressant. Puis le fameux si c'est pas écrit, c'est pas inclus, là, ben ça en fait partie. C'est à force okay. d'avoir des clients qui font comme ben là, moi, parce que j'étais sûr que c'était inclus. Tu dis, t'es sûr que c'est inclus? Je veux dire, on n'a jamais. Tu sais, je parle pas, mettons, d'une une méconnaissance. Là, c'est genre, il n'y a jamais été question de ça. Il n'y a jamais été question. Puis même des fois, c'était comme l'inverse. Exemple, le client, tu sais, mettons, OK, fait que tu vas me fournir les textes du site. Parfait. Puis à un moment donné, tu fais comme, ben, c'est pas vous qui allez les créer. Je suis comme, wow. Tu m'avais dit que tu allais les fournir. Puis là, tu t'attendais. Ah, ben, moi, j'étais sûr que vous allez toutes les refaire. Ou là, tu sais, t'es un peu abasourdi par ce genre de commentaires-là. Fait que des fois, il y a de l'incompréhension, il y a un mix de. Fait que il y a ça qui est un gros point qu'on a rajouté avec le temps. La partie des paiements. Donc, comment se gèrent les paiements? Ça aussi, très, très important d'y aller avec des cut-off. Donc, par exemple, mettons, au départ, nous autres, c'était, mettons, exemple, 40% avant le début, 40% après, mettons, avoir montré le résultat final, puis 20% juste avant le déploiement ou après le déploiement, mettons. Okay? Puis là, mettons, pour une raison quelconque, le client, après 80%, fait comme, ah non, finalement, on n'ira plus de l'avant avec le site pour peu importe la raison, donc il n'y a pas de déploiement. Puis là, toi, tu ne peux pas aller chercher ton paiement parce que tu as dit que tu allais aller le chercher après le déploiement. Puis là, le client a décidé qu'il n'y aurait pas de déploiement. Donc, tu ne peux pas aller chercher ton dernier 20% alors que, ben tu l'as travaillé. Fait qu'on a mis des espèces de cut-off à double tranchant, c'est-à-dire, mettons, le dernier 20% serait soit après le déploiement ou 30 jours après la phase précédente, celui qui arrive en premier. Fait que comme okay. ça fait en sorte que si le client il décide de ne pas déployer, ben 30 jours après, la facture à part, puis parce qu'on s'est rendu compte, on a eu un cas que... Ah, oh, mais si... Oui, parce que si t'attends qui le déploiement... Oui, c'est ça. Parce que comme ça peut être long avant que la date de mise en ligne ou qu'il approuve la dernière étape, mettons, avant la mise en ligne, dans ce sens-là. Oui, en fait, ça pourrait ne jamais arriver. T'sais, on a un cas, là, mettons, récemment, que le ouais. client, mettons, a, t'sais, pour des raisons stratégiques, là, décidé de mettre la hache dans le projet. Puis qu'une ben, chance qu'on avait ça. Puis c'est arrivé un autre cas de. Tu sais, des fois, je te dirais, mettons, 95% des projets. Je me prends une note. 95% des projets vont super bien, puis le contrat, on n'a jamais à s'y référer. Mais il y a toujours là, ce fameux dossier-là que, là, mettons, il y a quelque chose qui est signé. Là, après ça, la personne qui a signé tombe en congé de maladie. Est remplacé par quelqu'un qui... En fait, mettons, la personne qui a signé tombe en congé parental. Est remplacé par quelqu'un qui tombe en congé de maladie. Puis là, à un moment donné, on est rendu, là, c'est comme entre le début là, de ce qu'on s'est entendu qui était clair avec la personne A qui n'est plus là, on arrive à quelque chose de totalement différent avec des délais parce qu'il y a eu comme plusieurs changements d'intervenants. Puis à un moment donné, nous autres, ça fait comme 6 mois qu'on niaise, là. Mais là, moi, à un moment donné, là, faut que ça arrête, là. Faut qu'on livre puis qu'on passe à d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que ce genre de cut-off-là, à double tranchant, nous permet de nous sortir de ce genre de situation-là. C'est vraiment une bonne idée. Oui, j'aime vraiment ça. Je l'ai noté. Les exclusions, chose qu'on met aussi, tu sais, juste d'aller mentionner, tu sais, nous autres, dans notre cas, quand tu fais du web, le nom de domaine, c'est pas inclus. Les licences logicielles, ton hébergement, ça peut faire varier le prix. Tout dépendamment de. Ben, premièrement, c'est pas. Nous autres, on ne l'offre pas ce service-là, mais c'est important que tu le saches. Fait que de le mentionner parce que ça peut être légitime pour une personne ou pour une entreprise de ne pas savoir que ouais, ton site web, il va être sur quelque chose que tu vas payer mensuellement, puis ça n'arrête jamais. Là. C'est comme un loyer. Là. C'est pas comme quelque chose que tu achètes one shot, puis c'est réglé ouais. pour le reste de la vie. Là. Fait que ça, c'est des petits points comme ça que, au fur et à mesure, on a ajouté
T'as-tu des points, toi, des choses que tu penses, des erreurs que tu as faites? Parce que toi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu envoies ton devis, il y a comme genre plein de clauses. Puis là, je pense à quelque chose de particulier, mais je vais te laisser voir si tu vas en parler. OK, je sais de quoi tu parles. Mais dans le fond, là, il faut que je resserre ça, là, parce qu'on a eu des changements dernièrement, puis je me rends compte que on n'a comme pas remis nos bonnes habitudes en place suite à notre changement de système comptable. Fait qu'on a changé, on est parti de FreshBooks à Sage Cloud Accounting. OK. Et ça l'a pris un an. Ah, j'en doute pas. C'est comme. C'était c'est long. Incroyable. OK. Tu sais, quand que le monde dit que c'est long changer leur ERP, ben, c'est ça. C'était vraiment long changer mon système comptable. Puis c'était un gros move. Puis là, ce que je me rends compte, bon, OK. Fait que je reviens un peu en arrière. Dans FreshBooks, j'avais à la base dans les factures directement le contrat avec toutes les clauses. Que ce soit sur les paiements, si jamais il y a une cancellation, qu'est-ce qui arrive. Je sais pas moi, les droits, mettons, intellectuels, là, copyright, ouais, tout le kit. Propriété, oui, c'est ça, merci. Droits d'auteur. Oui, exactement, les droits d'auteur, ça nous appartient tant que t'as pas tout payé. Toutes ces clauses-là étaient directement dans la facture. Fait qu'en approuvant la facture, en faisant le paiement, c'était comme ça. Après ça, on a changé. On a fait vraiment des documents externes à ça. Puis, tous les nouveaux mandats, tous les nouveaux clients, avant, avec la facture, il y avait ou avant la facture même, je pense qu'avant la facture, il fallait qu'ils signent le contrat de service. Ou ce que ça disait, genre, tu sais, dans quoi tu t'embarques. Tout le kit, il y avait comme, mettons, je pense, 5-6 pages, là. C'était vraiment un plus gros document. Puis après ça, on envoyait la facture, puis là, on partait. Puis entre-temps, on a rajouté aussi le document pour avant de mise en ligne, suite à nos discussions, toi et moi. Puis dans le fond, on t'avait contacté justement pour avoir de l'assistance avec ça. Et c'est ça. Là, je me suis rendu compte, je pense, la semaine passée, que on n'avait pas remis nos contrats dans nos nouveaux devis dans Sage Accounting, on n'avait comme pas les, on n'avait pas replacé dans le fond notre processus avec cette nouvelle plateforme là. Fait que là, on s'en est rendu compte, en fait, comme on n'envoie plus nos contrats là, qu'est-ce qui se passe? Fait que par chance, heureusement, on n'a pas eu de problème à date là, mais c'est justement ça revient dans nos priorités. De replacer ça, là, parce que ça a quand même changé. Mais c'est ça. Après ça, dans les propositions que je fais, fait que un peu comme les soumissions, les pitchs, avant qu'on commence un projet, je fais une proposition PDF avec une belle mise en page et je présente, dans le fond, le mandat séparé en différents morceaux. Fait que dans notre cas, c'est souvent, mettons, le branding, le guide graphique, le design web, l'intégration, des gabarits, des déclinaisons là, de leur branding, fait que des gabarits pour les visuels, les réseaux sociaux, de la papeterie, des trucs comme ça, puis je décortique ça, je mets un prix, puis j'ai une dernière page qui est comme juste un peu des termes et conditions vraiment de base qui disent que cette soumission-là est bonne pour 30 jours, que c'est confidentiel, c'est ça, juste une page là, de notes, là, de termes et conditions par rapport à ça. Fait que ça, c'est pour les propositions. Puis c'est pas mal ça, là, en ce moment, comme je dis, là, de remettre en place justement nos contrats avec notre nouveau système comptable, pour qu'on trouve c'est quoi les différentes étapes, puis qu'on fasse un document de processus très clair. Ouais, c'est ça. Fait que l'épisode des contrats arrive à un bon moment. Mais tu sais, c'est drôle parce que là, tu m'as fait penser à ce que j'avais, le contrat, si on veut, de déploiement. Nous, quelque chose qu'on a changé récemment, c'est qu'on faisait plusieurs contrats jusqu'à ce que, tu sais, mettons pour bien, en tout cas, j'ai l'impression que pour bien des gens, quand tu prends les services d'une entreprise, c'est un seul contrat, puis c'est ça, puis ça vient de s'éteindre. Nous autres, c'était pas comme ça. Il y avait un contrat où est-ce qu'on s'entendait sur qu'est-ce qu'il allait avoir dans le projet, puis tu sais, les termes plus généraux. Puis une fois que le projet commençait, on avait un autre contrat qui était comme des trucs comme plus techniques. Fait que tu sais,
précisément là, sur quel navigateur ça va être compatible, ce genre de choses-là. Puis ça, on ne le mettait pas dans le premier contrat parce que quand... Tu sais, le but au départ, c'est de faire accepter le projet puis de ne pas s'embourber dans des détails techniques qui... Grosso modo, c'est comme des, c'est juste des standards de l'industrie. C'est juste qu'on s'entende, qu'on... Tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment de négociation à avoir sur ces affaires-là. C'est ça. C'est tout, ouais. Je comprends. Ouais. Jusqu'à ce que, récemment, on ait quelqu'un qui back sur un projet puis qui dise « j'ai pas signé le contrat ». Comme si, mettons, il fallait qu'elle ait signé l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'il n'avait pas signé le deuxième contrat, dans le fond, avec les trucs des navigateurs, exemple. Exactement, exactement. Tu sais, mettons, on parle ça, du navigateur. On dit que, mettons, les images que tu nous fournis, ben, il faut que tu aies les droits. Tu sais, nous autres, on va les mettre, mais genre, moi, je ne commencerai pas à valider, as-tu vraiment les droits là-dessus? Fait que, c'est comme des clauses de ce genre-là, mais qui ne changent absolument rien sur le prix, sur le projet. C'est juste pour s'assurer que toi, tu as fait ta job, puis moi, je mets les trucs aux bonnes places, puis la vie est belle. Et cette personne-là a décidé de... que, mettons, c'était ça le contrat. Puis comme elle n'avait pas signé ça, puis qu'elle ne voulait plus faire le projet, bien là, il fallait comme rembourser, puis tout ça. Puis là, c'est là que, mettons, j'étais content d'avoir mon premier contrat qui était bien ficelé. Et malgré tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si on fait un contrat qui est béton, ça n'empêche pas les gens de soit d'être frustrés, de l'interpréter différemment, de vouloir quelque chose qui n'est pas inclus. Après ça, c'est à nous de voir jusqu'où on est prêt à aller ou pas. Et ultimement, peut-être de nous poursuivre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la force du contrat est toujours en lien avec la capacité d'exercer ce qui est écrit à l'intérieur. Et aussi la capacité de payer de l'autre partie. Donc, mettons, toi, Najomi, demain matin, je peux décider, je te poursuis pour 1 million parce que tu n'as pas respecté la vente de ta maison envers moi. Là, tu fais comme, hein, mais je t'ai même pas vendu de maison. Fait que, malheureusement, ça n'a aucun rapport. J'ai le droit de te poursuivre pour peu importe ce que je veux. Après ça, une fois que je vais arriver en cours, ben là, il va falloir que j'amène mes preuves et tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de te poursuivre à la base et d'être pas d'accord avec un contrat qui existe ou un contrat qui n'existe même pas. L'autre point, c'est, mettons que je te poursuis pour le 1 million et que je gagne. Ben, comme concrètement, si toi, mettons que tu n'as rien dans la vie, tu dis comme j'ai mon appart, j'ai mon laptop, mais j'ai rien, même que moi, je gagne. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas le million, même que le juge me donne raison, ben, ça ne donne pas grand-chose. Advenant le cas où c'est vrai que tu t'es engagé envers moi, pour me vendre ta maison puis que finalement tu as changé d'idée, ben moi, est-ce que j'ai l'argent pour me prendre un avocat puis aller comme exercer mon droit de dire « Hey, tu n'as pas respecté ta partie », ben ça, c'est une autre partie. Quand on fait un contrat, c'est ultra important de considérer chacune de ces parties-là parce que c'est pas toujours en lien avec « Est-ce que tu as raison ou tu n'as pas raison ?» Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que le contrat, quand je le fais, je le fais pas dans le but d'une éventuelle poursuite. Je le fais principalement pour, un, me protéger si jamais on arrivait là. Puis aussi, tenter d'éviter les frustrations de part et d'autre. Parce que quand il arrive une situation comme ce que je décrivais tantôt qui est arrivé, la personne qui voulait reculer puis tout ça, ultimement, c'était plate pour tout le monde. Parce que cette personne-là voulait, pour une raison quelconque, qu'elle soit légitime ou pas, ne pas faire le mandat. Le contrat disait que ben elle s'était engagée. Donc là, elle voulait avoir son argent alors que le contrat disait autre chose. Puis là, ben ultimement, ça fait qu'elle est frustrée parce que moi, je veux pas rembourser. Puis moi, je suis frustré parce qu'elle me demande de rembourser alors qu'elle s'est engagée. Finalement, ça a fini avec une mise en demeure. Après beaucoup de discussions, donc on a vraiment comme tenté de discuter, j'ai tenté de mettre le plus d'eau possible dans mon vin pour essayer de juste sauver la relation, mais à un moment donné, je trouvais que c'était un peu déraisonnable. Puis finalement, ben on a reçu une mise en demeure officielle d'un cabinet d'avocats. Puis tout ça pour que finalement j'offre moins que ce que j'offrais au début parce que ça faisait aucun sens. Puis son avocat a proposé d'accepter l'offre qui était moins bonne que mon offre initiale avant que l'avocat soit mis dans le dossier. Fait que tu sais, je me dis, ultimement, là, tu sais, mettons pour elle, cette personne-là, ça, elle a eu moins que ce que j'avais offert initialement. Moi, ça m'a fait perdre plein de temps à m'obstiner sur quelque chose que, ultimement, j'avais tellement raison que son avocat a dit, hey,
prends l'offre qu'il vient de faire parce que, je veux dire, si on va en cours, ça n'a aucun sens. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que à la fin, moi, je repars frustré, puis elle repart frustrée, peu importe qui avait raison. Ouais. Fait que de toujours, tu sais, quand je bâtis une offre, quand je bâtis une proposition, quand je bâtis un contrat, c'est ça qu'il faut garder en tête. Pas est-ce que légalement on a raison, puis légalement, est-ce que ça va. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que c'est clair, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de retour, puis que s'il y a un retour, bien qu'on peut. Tu sais, puis moi, j'hésite pas là, quand c'est nécessaire de ressortir le contrat, puis de dire, gars, check, tu me dis, puis ça, c'était un autre cas qui est arrivé récemment. La personne trouvait qu'on n'avait pas fait une bonne job au niveau de faire le design. Et je dis, regarde, dans la proposition, c'est écrit, nous ne faisons aucun design, nous reprenons, mettons, le processus comme il est. On fait juste le refaire. Donc là, c'est sûr que si toi, tu t'attendais à ce qu'il y ait un nouveau design, tu vas être déçu parce que, un, c'était pas inclus, puis deux, je dis, j'ai pas d'équipe de design, je fais pas de design là-dedans. Mais pareil, cette personne était quand même frustrée, puis c'était écrit noir sur blanc, en gros, dans la section design, je l'avais mis là, on le fait. J'avais même mis une section design en disant qu'on le faisait pas, pour être sûr que ça soit clair. Mais malgré tout, ça se peut que ça arrive. Fait que là, au-delà de qui avait raison, j'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin, de peut-être manger un peu d'argent là-dessus, puis d'essayer d'améliorer esthétiquement de quoi avait l'air le projet pour préserver la relation et non pour une question de légalement qui a raison ou qui a tort. Puis suite justement à l'autre cas là, où il y a eu la mise en demeure et tout, puis que l'avocat il a dit « Hey, accepte ça, c'est pas, c'est tout. » Y a-t-il des choses que, c'est ça, justement, le contrat était assez solide que ça vous a bien protégé pour ça, mais comme tu dis, tout le monde a été frustré là-dedans, fait que c'est pas vraiment le fun. Est-ce qu'il y a des choses que, par rapport à ces frustrations-là que vous avez changées ou que vous voulez changer? Clairement, nous ne faisons plus des contrats multiples. OK, fait que juste avec les contrats multiples, dans le fond. Là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est plutôt que de le faire en deux batchs, quand j'envoie la proposition qui est le contrat reste pareil, et à ça est joint le document de ces petits termes-là. Fait que dans le fond, c'est là, c'est comme en background, parce que pour moi, c'est comme pas tant important. Ça ne peut pas faire chier le projet. Là. C'est pas le « OK, fallait que j'aille les droits de prendre les photos. Ah, OK, ben d'abord, laisse faire. » Je veux dire, c'est. Mais dans ce cas-ci, ça a été comme une tentative d'échappatoire. Fait que là, en mettant les deux en un, ben là, il n'y aura plus de double signature ou de double acceptation qui, un, ben c'est plus long. Ça peut faire en sorte que dans ce cas-là, elle avait signé le premier, mais pas le deuxième. Fait que là, ça donnait comme une impression de. Mais tu sais, ultimement, tu sais, ce qu'il faut se rappeler là-dedans, c'est ultimement, tu sais, son avocat, il a dit, gars, je pense que ça fait pas trop de sens, qu'est-ce que tu essayes de faire. Puis elle a décidé, mais tu sais, elle aurait pu dire, non, on s'en va en cours, tu sais. Ouais, ouais, ouais. On aurait été obligé de se pointer là-bas pour une question de, hey, je pense que c'était une affaire de 200$. Tu sais, c'est comme, ou 300$ entre les deux propositions. Non, là. C'est ça. Après ça, tu juges justement qu'est-ce qui vaut la peine, où est-ce que tu veux mettre ton énergie et tout. Fait que c'est ça. Ouais. C'est juste que c'est dommage d'avoir eu toute cette énergie-là qui a été dépensée là-dessus, puis que ça finisse en frustration versus que ça finisse bien, tu sais. Parce que je pense qu'il y a moyen, en fait, je le sais, il y a plein de façons de bien finir une relation, même si, mettons, le projet n'a pas abouti, même si les attentes n'avaient pas été respectées ou n'avaient pas été plus bien compris ou bien communiquées au départ, puis que là, hey, finalement, ben, ça ne marchera pas, tu sais. Ce genre de situation-là, ça arrive, puis c'est correct, puis ça peut bien finir, tu sais. Ben oui, mais j'en ai un. Mais tu sais, deux semaines avant, en fait, deux semaines après, c'est-à-dire, j'ai un mandat qui a arrêté à 80%. Puis on a été payé pour 80%. T'sais, on s'est entendu avec le client, garde, on arrête ça là, on ne complète pas, vous ne nous payez pas parce que il voulait mettre une. En fait, il voulait mettre une pause que moi, je jugeais déraisonnable. J'étais comme si on arrête, là, on repart ça dans 3 mois, je ne sais plus où ce qu'on est rendu. C'est. Non. C'était pas ça l'entente. L'entente, on le faisait tout. Fait que là, on arrête, on est rendu à 80%, tu m'as payé 80%. Puis si tu veux le repartir, on regardera à ce moment-là. Parce que moi, ça ne serait plus frais dans ma tête. La technologie va avoir évolué. Regarde, c'est un autre projet, là. On le repartira. Puis s'il ne repart pas, on ne se doit plus rien. Puis les clients étaient comme, c'est très, très honnête comme proposition. On accepte. Puis ça a fini comme ça. Puis c'était un bris de contrat, là. On a comme brisé le contrat. Mais ça s'est fait dans les règles de l'art. Puis
sais, ça arrive à tout le monde à un moment donné de changer d'idée, changer de cap, changer de... Fait que, tu sais, faut pas être amer de ça. Ouais, puis je pense que les contrats, puis là, de continuer à les clarifier, puis de continuer à les faire évoluer, ça fait en sorte que, justement, quand ça arrive, ben ça peut bien arriver, tu sais. Ben oui, puis suite à cette affaire-là, on a aussi rajouté une autre clause pour, justement, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là. Puis, tu sais, là, on a un courriel qu'on a gardé, tu sais, du pourquoi, puis qu'est-ce que ça cause, nous autres, comme tort de retarder le projet. Fait que la prochaine fois que ça va arriver, ben, on a un courriel qui est déjà prêt pour ça. Est-ce que dans vos contrats puis vos propositions, vous avez justement des échéanciers à ce moment-là? Vu que tu parles de comme pause, de retarder des trucs, c'est ça. Est-ce que vous avez comme des échéanciers on doit respecter, mettons, un certain échéancier où vous devez nous revenir avec telle chose à tel moment pour que nous, on puisse travailler à tel moment? Parce que je sais que vos horaires sont vraiment remplis, tu sais. Je sais que, mettons, chargé de projet ou coordo est capable de me dire, quand moi j'ai des demandes, là, elle a déjà été capable de nous dire comme, OK, ben genre, telle date, dans comme 8 jours, telle personne va travailler dessus à telle heure. J'étais comme, wow, OK. Ouais. Fait que c'est-tu dans vos contrats, ça? Y a-tu quelque chose par rapport à ça? On mettait ça. Moi, je déteste mettre ça. Parce que, je te dirais, tu sais, en toute honnêteté, là, que je travaille là-dessus sur le projet mardi matin, mercredi après-midi, ça change quoi dans ta vie? De un. Puis de deux, la quasi-totalité des retards sont causés par les clients. Fait que moi, ça, j'ai comme un très, très gros malaise ou un problème à dire, OK, je vais te livrer ça à telle date sans savoir si toi, tu vas respecter tes échéanciers. Fait que là, ce qu'on avait fait initialement, c'est qu'on s'était dit, OK, voici un calendrier comme tentatif, si on veut. Puis dès que tu manques un de tes livrables, tout tombe. Puis là, le problème qu'on avait avec ça, c'est que le client, parce qu'il nous remet un truc une semaine en retard, lui, dans sa tête, le projet décale d'une semaine. C'est comme, non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Parce que moi, quand tu remets une semaine en retard, là, ben moi, j'ai dû réaménager mon horaire de cette semaine-là. Puis j'ai d'autres choses qui sont rentrées. Puis peut-être que, tu sais, mettons, les 3 prochaines semaines, je suis pas disponible pour tes affaires parce que je savais que j'allais faire ça. Puis ouais. Après ça, pendant 2 semaines, tu allais faire les tests puis tu allais me revenir. Fait que là, l'horaire tombe au complet. Fait que là, ça crée de la frustration de la part du client de dire « Je t'ai remis quelque chose une semaine en retard puis tu me livres le projet 3 mois plus tard. » Tu sais, mettons, je mets des exemples extrêmes. Oui. C'est comme « Oui, c'est ça. » Parce que quand tu manques ton... Mais comment tu backs ça? Ben, on mettait pas de... On essaie de ne pas mettre de date. Parce qu'on va dire, c'est qu'on va dire un projet. On va dire un projet, mettons, exemple, un projet de site web, c'est au minimum 4 mois. Puis après ça, on te donne des devoirs. Puis tant que tu suis la cadence, nous autres, on va te suivre. Mais tu sais, il y a toujours des imprévus, toujours des petits changements, des ci, des ça. Puis de manière générale, c'est peut-être arrivé une fois ou deux là, qu'un client fait comme, tu sais, là, j'attends après vous autres. Là. Mais de manière générale, les clients ne sont même pas capables de tenir le rythme qu'eux imposent. Tu sais, moi, un client qui me dit, là, je vais être là, je vais répondre rapidement, c'est comme, malheureusement, ça marche pas. Bien, je sais, puis moi, je vais le dire à des nouveaux clients, je vais dire, tu sais, les délais, moi, je mets, mettons, dans mes propositions que ça va prendre à peu près tant de semaines. Ouais. Fait exemple, un design web, ben, mettons, dépendant du projet, 2, 3, 4 semaines, tu sais, je vais le gager par rapport au projet. Mais après ça, justement, comme tu dis, s'il y a des délais dans la réception des matériaux, comme là, c'est en train d'arriver, là, on a un projet pour lequel on devait avoir quelque chose en début de semaine, on ne l'a pas encore reçu, je pense. Il me semble qu'hier, on ne l'avait pas reçu. Bien, c'est sûr que ça retarde notre travail, puis on réarrange notre horaire par rapport à ça. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est difficile pour le client de comprendre que, OK, bien, mettons, tu nous le remets 2, 3 jours plus tard. Ben, comme tu dis, ça ne nous retarde pas juste de 2, 3 jours plus tard parce que les 10 prochains jours, ils étaient bookés. Puis je ne pouvais pas vraiment réaménager les choses parce que, bon, ben, j'attendais une autre approbation d'un autre bord. Puis là, tout rentre en même temps. Puis là, c'est comme, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est sûr qu'on va prioriser, mettons, les clients qui nous reviennent, quand est-ce qu'ils sont censés nous revenir ou bien les projets qui sont plus rush. Puis tu sais, il y a plein de façons d'évaluer qu'est-ce qu'on fait en premier. Mais ça reste que je trouve ça dur à gérer les attentes par rapport à ça, puis d'expliquer justement, ben, je travaille pas sur tes trucs cette semaine parce que tu m'es pas revenu. Fait que là, j'ai plein d'autres choses à faire. Et je trouve ça dur
de ben, tu vois, moi, je trouve pas ça dur. T'sais, mettons, nous autres, on a des demandes constamment. Fait que, ouais. Si tu me demandes, mettons, quelque chose aujourd'hui, Nash, je vais te dire, mettons, ça va être fait, mettons, la semaine prochaine. Si j'ai quelqu'un qui était supposé me revenir aujourd'hui avec quelque chose, puis qui m'est pas revenu, si tu me dis, hey Max, peux-tu faire de quoi, au lieu de te dire, je vais le faire la semaine prochaine, je vais le faire tout de suite parce que là, j'ai un trou, puis je commencerai pas à aller décaler tous ceux à qui j'avais dit, je vais le faire la semaine prochaine. Fait comme, non, c'est comme moins compliqué pour moi de, ben, ta demande vient de rentrer, j'ai un trou là, je le fais là. Fait que je décale pas le reste de mon horaire. Fait que, tu sais, de penser que, tu sais, c'est comme si tu manques ton rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse. C'est-à-dire, tous les rendez-vous se mettent pas tout à décaler. Puis là, ah, toi, finalement, c'était samedi matin. Finalement, t'es rendu vendredi soir. C'est comme, non, moi, mon rendez-vous, il était samedi matin à 9h. Et il reste samedi matin à 9h. Là. Après ça, regarde, c'est quoi la prochaine disponibilité. Puis c'est de même, ça marche. Oui. Mais comment qu'on peut se backer avec ça? Comme, je sais... Ce que tu viens de décrire là, ça, c'est l'exemple parfait. Là, comme, vraiment, là. Vraiment, vraiment. Ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, comme j'en ai eu des, mettons, même des meetings, là, des rendez-vous téléphoniques, des cancellations dernière minute. Ah, t'as-tu d'autres dispos aujourd'hui ou demain? Je suis comme, mais non, ma prochaine dispo, c'est dans une semaine, tu sais. Oui. Bien, nous autres, on a commencé à faire des sprints de 2 semaines. Puis ça a été, dans le fond, ça a été un peu forcé à nous parce qu'on avait comme trop de choses à faire. Ou est-ce que là, on conditionne les clients à leur dire, tu sais, nous autres, on planifie 2 semaines à l'avance. Puis là, présentement, c'est 2 semaines parce que c'est le temps qu'on a besoin. Là. Fait que, tu sais, si tu m'arrives aujourd'hui, arrive-moi pas aujourd'hui avec un projet urgent pour demain. C'est comme, non, c'est comme, c'est dans au minimum dans le prochain sprint. Fait que là, ça commence déjà à semer parce que quand tu entretiens ça, puis tu sais, mettons, j'avais des gens à l'interne qui disaient, on sort totalement des contrats, là, mais se disaient, non, mais tu sais, plus que je sers le client rapidement, plus qu'il va être content. C'est vrai, mais plus que tu fais ça, plus que tu crées dans sa tête une accoutumance à je t'arrive à la dernière minute et tu me règles ça live. Oui. Ça crée comme d'autres frustrations. Fait que la façon qu'on. Fait que là, en disant, tout va à 2 semaines, si jamais il y a une vraie urgence, on est capable de la passer. Faire des exceptions. Mais sinon, ben c'est ça. Mais sinon, ça veut dire prends-toi à l'avance parce que malheureusement, tu sais, je veux dire, nous autres, les demandes, là, il y en a plus qu'on est capable d'en faire. Fait qu'il y a des nouveaux clients auxquels on dit non parce que c'est comme, c'est des beaux projets, c'est des beaux mandats. Mais je peux pas, je vais impacter l'ensemble de mes clients à prendre un projet comme ça. Puis toi aussi, tu vas être insatisfait parce que même si tu respectes tous tes échéanciers, moi, j'ai des urgences, j'ai plein d'affaires qui rentrent à gauche, à droite. Fait que de bien préparer les attentes, ça, c'est vraiment. Puis après ça, tu te sens pas mal de le dire. Non, c'est ça. Puis je pense que nos clients, oui, c'est sûr, des choses faites rapidement, c'est cool, mais je pense qu'ils sont bien plus satisfaits quand, mettons, te dit quelque chose, peu importe si c'est dans 1 mois, dans 2 mois, puis que c'est ça qui est respecté, puis que le client est habitué comme, OK, bien, si la personne, elle a dit, si la personne chez Satellite a dit jeudi, puis que je reçois ça jeudi, pas mercredi, jeudi, c'est parfait. Ouais. C'est ça qu'ils m'ont dit. C'est parfait. Ouais. Pas genre over-deliver, tu sais. Oui, puis je pense qu'au niveau, tu sais, mettons, si on fait le lien avec les contrats, là, c'est exactement ça. C'est de faire ce que tu as dit, puis de dire ce que tu vas faire. Puis quand tu respectes ça, après ça, tout est plus facile. Je voulais juste bonifier sur tantôt, on a parlé de. Tu parlais du groupe Facebook, là. Donc, ce que nous, on a décidé de faire, c'est que, tu sais, on faisait signer un contrat à la base. Alors, on va faire, mettons, ton site, etc., etc. Puis quand on arrivait à la fin de le déploiement, on déployait, puis après ça, ben, tu sais. Le projet est terminé, puis on passe à autre chose. Puis on s'est rendu compte que, tu sais, quand la partie des tests, ben les gens, c'est quelque chose qui prennent très, 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 très à la légère. Ouais. Puis que ça revenait souvent après. Tu sais, exemple, mettons, je m'étais pas rendu compte que. Tu sais, puis des fois, mettons, ça peut être un bug. Ça, c'est comme différent. OK? Mais mettons, je m'étais pas rendu compte que dans notre texte à propos que je t'ai envoyé, j'utilise le mot excellent 3 fois dans la même phrase. Et, ben là, mais il faudrait que tu le corriges. OK, c'est bon, fait qu'on va te facturer. Comme, ah, ben là, mais je pensais pas que. Puis là, les fameux, je pensais pas que. Ah, j'avais pas validé. J'étais sûr que. Je m'attendais à ce que. J'assume que. Puis là, tu dis, ouais, mais c'est-tu mon problème? Tu sais, mettons, mettons, tu voulais qu'on remplisse un formulaire puis que ça envoie un courriel. Puis là, tu l'as pas testé. Fait que là, tu t'es pas rendu compte que quand tu me donnais le texte du courriel, ça fait aucun lien avec le formulaire. Moi, c'est ton domaine. Il y a des fois, mettons, que c'est évident, mais il y a des fois que je ne peux pas le savoir. Là.
Fait que là, ah ouais, mais là, finalement, il faudrait rajouter telle information dans le formulaire, il faudrait enlever telle autre affaire. Mais là, le site est déployé, là. Fait que là, on avait ce genre de frustration-là. Puis là, ça venait vraiment de notre côté, de se sentir mal à ne pas faire des corrections qui n'avaient pas été attrapées par le client. Parce que quand il a montré le résultat, il n'a pas fait sa job de valider correctement. Donc, c'est là qu'on est venu avec le fameux contrat ou de déploiement, qui est, dans le fond, avant qu'on déploie, on te fait signer un petit document que je t'ai envoyé qui dit grosso modo, le projet présentement est exactement comme ce qui avait été entendu, exactement comme ce que je m'attendais, puis que toute correction supplémentaire va engendrer des frais supplémentaires. Oui. Fait que la personne signe ça, puis après ça, on prend le site, puis là, on le déploie sur le vrai environnement pour qu'il devienne live. Puis après ça, s'il y a des corrections, ben là, nous, on a la possibilité de les facturer sans se sentir mal. Puis évidemment, si tu me dis, il manque une virgule, je vais la corriger, ça ne me dérange pas. Mais des fameux, il manque un formulaire. Ouais, il y a genre, j'avais oublié de te donner 25 produits, tiens, voici la liste. T'sais, parce que des fois, c'est ça, c'est, tiens, voici mon Excel, l'autre les produits. Non, ça ne marche pas de même, tu sais. Ouais. Puis même pour les bugs, là, tu dis que ça va, là, mais même des bugs, si je te ramène un bug 6 mois plus tard, je peux pas croire, là, Non, moi, en fait, mettons, tu sais, comme le seul bug que je vais corriger, c'est quelque chose que, mettons, qu'on s'est entendu puis que j'ai pas fait. Parce que, tu sais, mettons, tu dis, le formulaire, il marchait hier puis il marche plus aujourd'hui. Ouais, mais mettons, l'environnement sur lequel tu l'as testé, c'était fonctionnel. Puis, nous autres, des updates, il y en a tous les jours. Puis moi, je peux pas être tenu responsable des mises à jour qui sont faites par un plugin qui a été utilisé. Tu sais, des fois, mettons, il y a des clients qui vont nous imposer un plugin, mettons. Moi, si le plugin n'est pas bon, là, puis que tu m'as imposé... Même des bons plugins, après ça, c'est pas ta responsabilité, tu sais. Ben mais ça, c'est de le clarifier, justement. Ben clairement, puis on a déjà eu ça dans des contrats. Quelqu'un qui veut nous faire signer un contrat, qui va dire, mettons, qu'on s'engage à ce que le code soit blablabla, puis je suis comme, mais je peux pas m'engager à ça. Je veux dire, tu me dis, mettons, dans ton offre de service, en fait, dans ton appel d'offres, que tu veux qu'on utilise tel plugin précisément, mais tu veux que moi, que j'ai pas développé ce plugin-là, je m'engage à ce qu'il soit toujours compatible. Je veux dire, je n'ai aucun poids sur la direction du plugin ou est-ce qu'il va respecter les standards. Je peux te le dire aujourd'hui s'il respecte, mais je peux pas m'engager sur le long terme à... Fait que des fois, c'est juste de clarifier ces choses-là, mais de manière générale, nous autres, notre garantie, c'est, puis ça, c'est JF qui dit ça souvent, il dit, moi, c'est comme le peintre. Un coup, j'ai passé à la porte, il n'y en a plus de garantie. Parce que notre domaine, c'est ça, tu sais. Je peux faire le site, il fonctionne, il n'y a rien qui a été touché, ça fonctionne. L'hébergeur met à jour son infrastructure, puis là, c'est plus compatible. Tu sais, on a déjà vu des cas d'un hébergeur qui force une mise à jour de PHP d'une version à une autre, puis là, il y a des sites qui se mettent à briser, puis on n'a rien touché. Mm-hmm. On a des hébergeurs qui, malgré le fait qu'on essaye de désactiver les mises à jour automatiques, des fois, eux autres vont dire, non, nous autres, on fait la mise à jour. Puis les clients nous contactent, et comme, hey, vous avez brisé mon site. Non, on n'a comme fait aucune mise à jour sur cette affaire-là parce qu'on sait que ça va briser les sites. Là, c'est ton hébergeur. Fait que, tu sais, fait que là, ça fait partie des choses qu'il faut dire aux clients. Fait que, tu sais, la garantie qu'on peut donner, malheureusement, c'est, il n'y a pas de garantie. Fait que, teste-les comme faut. Puis après ça, quand tu me dis que tout marche, ben, on n'a pas besoin de donner de garantie. Tu viens de me dire que tout marche, puis il n'y a rien qui va arrêter de marcher pour aucune raison. Là. Après ça, s'il y a des mises à jour, on est tous à la merci de l'évolution que les différents produits vont avoir. Fait que, en gros, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a comme au-delà du contrat, il y a un gros travail de préparation. Puis quand tu prépares bien ton client, puis après ça, tu mets les clauses en conséquence, il est capable de comprendre. Puis des fois, c'est frustrant. Là. C'est vrai que c'est frustrant. Là. Autant de mon côté que du sien. Là. Parce que moi, n'importe quel client qui est frustré, même si j'ai raison, ça m'écœure. Parce que ça met du sable dans l'engrenage de notre relation. Mais si on prend le temps de bien expliquer les choses, ben après ça, le contrat, c'est comme, c'est un document qui va de soi. C'est comme, ben oui, ça fait bien du sens, puis on le signe, puis on sait dans quoi on s'embarque. Et après ça, quand il arrive une situation, ben si on sait comme, on verbalement, on s'entend pas, ben si par écrit, c'est comme, ben regarde, tu vois, c'était ça qu'on avait dit, c'est ça que je t'avais expliqué, c'est ça qui arrive, on fait le nécessaire, on passe à d'autres choses. Puis dans 98% des cas, c'est ni vu ni connu, puis ça fonctionne bien. Puis dans les 2% ou dans le 1%, ben ça veut dire qu'on a une situation à gérer,
puis on a un contrat ajusté pour le prochain, puis d'année en année, ça devient juste de plus en plus efficace et facile de livrer un projet sans anicroche. Voilà. Très cool. Merci, Maxime. Hey, merci à toi, Najemi. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si vous avez aimé le sujet, on vous encourage à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de contenu préférée. On est sur iTunes, Google Podcasts, Spotify, mais aussi tu peux interagir avec nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Yes, si tu as apprécié l'épisode, si tu as appris quelque chose, laissez-nous savoir, écrivez-nous en commentaire, dans nos DMs, repartagez l'épisode. Ça fait vraiment une différence, comme je le disais au début, là, dans nos vies, fait que n'hésitez pas. Visitez-nous sur aucunhasard.com. Dans le haut, on a une petite bande. Si vous voulez vous abonner à notre Patreon et soutenir le podcast, donc pour quelques dollars par mois, vous allez avoir accès à du contenu exclusif et vous allez nous permettre de poursuivre notre belle mission. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à maxime@aucunhasard.com. Et moi, najomi@aucunhasard.com. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao!